Parce qu'il y en a certains qui volent leur pesant de cacahuètes et que j'aimerais bien sauvegarder, c'est-à-dire les numériser et avoir tout ça dans mes nouveaux dossiers numériques. Alors, il y a de quoi faire, parce qu'évidemment, depuis que j'étais apprenti, l'eau a coulé sur le pont, et évidemment, voilà quelques années de négatif, et je ne sais pas par où commencer. J'ai bien essayé d'en faire un peu déjà, mais il y en a tellement, alors bon, parmi tout ça, de temps en temps, il y a des trous en l'eau, je ne sais pas, ça c'est montagne. Et ça, qu'est-ce que c'est ça? Tiens, alors ça, j'avais oublié. C'est du Léo Ferré, dit. Léo Ferré, et je me clichais de temps en temps dans les miroirs, quand on, suivant où on se trouvait. Là, c'était dans sa chambre, hein, avec une rédactrice sympathique. Et donc voilà, ben écoutez, je vais la scanner. Hein. Alors, c'est des souvenirs, c'est bien, j'ai retrouvé ça. Vraiment, en farfouillant, je tombe sur des perles. Et ça, c'en est une, parce que c'est la période où je travaillais pour la presse. Et ça devait être dans les années, je pense, c'était 68. Oui, 68-69. Et je l'avais cliché, on avait fait une interview dans la chambre de l'hôtel. Il nous avait reçu avant le spectacle, avant d'aller en répétition. Et ensuite, si je me souviens bien, nous sommes partis à la répétition. Il se produisait rue Alsace, dans un cinéma, et j'ai oublié le nom. Voilà. Ça c'est fait. Alors, j'ai sorti de la carte le négatif qui nous intéresse et je vais le travailler avec Photoshop. Voilà. Donc le voici. Alors on va le passer en positif. Et voilà. Et là, je vais retoucher un poil. Et bon, si je me souviens bien, c'était dans son hôtel. L'interview, c'était pour Sud Radio. Là. Et bon, il était. Je crois que ça parlait un peu politique. Je me souviens, oui, il parlait de ce qui se faisait coller les affiches par des jeunes. Et ça ne lui coûtait pas très cher, c'était un coquin. Et là, je revois cette photo où je me trouve avec mon Roléflex. Ça, c'était un appareil, j'adorais cet appareil. Et on me l'a volé. On m'a endormi sur une autoroute en Italie, et tout mon matériel a disparu. Voilà. Donc c'est quand même, c'est un bon souvenir, cette image. Oui. On peut admirer au passage la belle tapisserie d'époque. C'était un peu partout dans les hôtels. Je me souviens pour Mouloudji aussi. C'était, je ne sais pas si c'était la même chambre, mais c'était la même tapisserie aussi. Voilà. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va.